Je pense que ZF a besoin de se faire connaître, donc c'est pour ça que j'ai démarché le groupe Argus et donc Autorecrute pour qu'on soit là aujourd'hui. Alors le souci en fait pour ZF, c'est qu'on est très connu du côté de nos clients, de nos concessionnaires, etc., mais très peu des candidats. Donc voilà, en effet, c'est pour amener plus de CV. Surtout qu'on est en passe donc de racheter TRW donc, pour passer deuxième équipementier mondial début 2015. Et du coup, il va y avoir des postes qui vont s'ouvrir. On a besoin du fait que la population soit assez vieillissante, de renouveler aussi nos effectifs. Donc actuellement, il y a déjà des postes d'ouvert, type mécanicien, poids lourd et travaux publics, et inspecteur technique. J'y reviendrai par la suite, mais voilà, il est possible aussi qu'il y ait d'autres opportunités qui s'ouvrent sous peu. On est un équipementier mondial, mais par contre spécialisé sur les transmissions et les liaisons au sol. Donc on est actuellement 80 000 dans le monde, avec TRW on va passer à 134 000. Spécialisé dans la boîte de vitesse, avec des marques phares telles que Saxe ou Lemforder. Voilà. Alors aujourd'hui, on cherche des mécaniciens travaux publics et poids lourds. L'important, c'est la connaissance du véhicule industriel. Pas forcément spécialisé dans la boîte de vitesse, mais cette spécialité véhicule industriel est très importante. Et on a aussi un poste donc, d'inspecteur technique ou technicien d'intervention, donc, qui n'est pas forcément très connu, mais en fait c'est un technicien qui intervient donc, chez le client, donc, qui est en itinérance, qui se déplace chez le client pour réparer et diagnostiquer les pannes sur tout type de véhicules. Donc on travaille principalement sur des véhicules type les poids lourds, les engins de travaux publics, les tracteurs, les éoliens, la marine, autocars, autobus. Oui, bien sûr, je suis là pour représenter ZF Service France, dont le siège est basé en Antony, donc dans le sud du 92.